Interviews, mini-séries, podcasts, micro-trottoir, c'est sur CULTAF Guinée. CULTAF Guinée, première chaîne culturelle de la Guinée. Pour rejoindre la communauté de CULTAF, abonne-toi et active la cloche de notification. Voilà. Bonsoir, madame et mademoiselle et monsieur. Et aujourd'hui encore, nous sommes là pour faire une conférence de presse avec les artistes guinéens et les artistes qui sont là au Sénégal. Et c'est notre deuxième édition, comme vous le voyez. L'année dernière aussi, on était là avec nos artistes guinéens, Alpha Diodara et Binette Diallo. Avant de commencer, on a eu tant de problèmes pour la culture guinéenne ici au Sénégal, mais elle n'a jamais baissé les bras. Elle nous a accompagnés partout. Je veux qu'elle n'a qu'à se lever, venir au pied ici, tout le monde la voit et tout le monde la dit merci. On m'a dit très bon, si vous voulez, venez. Merci, merci infiniment. Je pense que tout le monde a entendu ce nom. Il y a des gens qui n'ont pas vu Bitayobon. Mais celui qui n'a pas entendu le nom de Bitayobon, parce que. Et elle nous a accompagnés quand vraiment c'était vraiment difficile. Elle nous a accompagnés quand vraiment nous-mêmes, on ne pensait pas qu'on allait arriver ici aujourd'hui. Donc, au nom de l'Alliance de ma production, au nom de tous les artistes guinéens, on dit merci à Bitayobon. Merci. Ça, c'est notre moment. Bitayobon. Vraiment. Voilà. C'est ce que nous voulons entendre. Applaudissements. Allez-y. Mais c'est un monsieur aussi engagé. Je ne le connaissais pas, honnêtement dit. Mais depuis qu'on a parlé le nom de Moussa Kamara dans l'affaire-là, ce monsieur, il s'est donné hors corps et en Moïse Salif Kamara de Djamou. Je vais commencer par vous présenter Diossa Tanilade. Assalamu alaikum. Nous répétons à vous, pour que nous voilà. Ari comédie sarane rabe donc ko wala na wala alliance gi do jama production so yi lu do fo wani ari wa na mabbe donc ko yalla lor dal la lor do no ra ngi yeso alla wo ko jole mo ya parce que do no la ba ko do ka gi lede mi wetano la bela mo ta rabe production wetano roman grand aliou abel telimele pro donc ko wetano si tracé aray so yiñu do wani aray ko Allah e beedo donc wetano cinq kadi cinq mo e wetano ma vrai parce que ala wo be fala wadde gire Senegal fo ko gonto yo Allah la no neuro newo parce que ko dum fara ne donc jama fo aray ino habba lande me den ala parce que aray ben do wetano jama fo ma men yo sa dan la merci beaucoup. Ok, assalamu alaykum wa rahmatullahi. Ok, allez, dit Bibari, nous sommes à Diamanfo, mon père, qui est mon électeur. Allez, la Vétano, Josa, Tanirabe, Tierno Mamadou, Moussa Kamara. Allez, et nous tous les mêmes doigts à dire, Hande, Grand Théâtre, Benfar, et la Salmane, mon père, qui est mon électeur. Allez, son ami, dit Bibari, allez, Kosa, Paiko. Allez, non, dit Bibari, mais pas le connaître à faire musique en 2016. Mais Allah wadi djibi bay ko ni wa de ko hala jamaa kadi no yidi no weltori kadi zenes madina wara kadi zenes malew kadi no walliti e mom no yidi kadi ko djibi bay woni wa de ko encore bi weltano tanti am binta yombo haray tanti am binta yombo kala artiste do am do mi nanayi inde mabbe derton haray be walliti culture guinéen ibe yidi culture guinéen yaara yes
hara ibaba inga mengine bado kati imefuata wana kaseriji serikaji tusu sere madina vulali hara langani kambi kambi hivi gine mbe mko ni watiko hara la vyata nombe moja la jana mbe kati hara hii vyata ni kifo mbijar ni kifo merci. Assalamu alaikum. Voilà, je m'appelle Thierry Mamadouba, artiste chanteur. Je suis né à l'Abbé, ou précisément à Tougué, dans la sous-préfecture de Kona. Voilà. Je suis, je vais dire, l'enfant de Mick Parayaba, de l'Abbé. Applaudissez pour lui. C'est ma mère. Voilà, il faut que je sois reconnaissant envers lui. Voilà, aujourd'hui, je suis là et je vais dire merci d'abord à Guido Diamant Production, à Alliance, Alliance Guido Diamant Production, d'avoir choisi Moustou Camara et Thierry Mamadou. Parce qu'il y a trop d'artistes en Guinée, mais vous avez jugé nécessaire de choisir Moustou Camara et Thierry Mamadou pour le lendemain de la fête ici au Grand Théâtre. Je suis fier. Et Inch'Allah, on va faire le boom ce jour. Merci. Merci. C'est l'arrivée de le président de la jeunesse de l'IRPG du Sénégal. Après, monsieur. Merci. 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 Donc, Andy, non, c'est-à-dire, mais on dit là il débarre mais comme il est non français mais le roi est des sources mais la manique mais la couleur guerre c'est au débrouiller parce que je suis guinéen donc voilà il me semble ni chaman fort me semble la artiste berbe de fop na ou mao me semble la comme nos barrières non groupe alliance de jama production et dans les jama parce que mais voilà na on hunda autre salon dans voilà jama Adugor Moustou Camara et Thierno Mamadou et Jossa Itugor Ben Lagine Addador Komboudi Kononamboudi parce que si Komboudi bouille nous bejabatano si Komboudi nous mène n'y aura mais angasano mais comme on a une histoire Mousson on a une histoire Thierno Mamadou Thierno Mamadou et Mousson le Foko Bessociel parce que nous y allons dans le Foko Thierno Mamadou comment on dit ça Magica Amianda quand on voit des filles de Jinda de Yehuda et puis vraiment il m'a dit mon moyen donc on y mousseau et grimpé fond de grimpé on y star adnan la faut qu'on nous fasse la grimpé donc on nous a dit donc on va lui dire c'est à dire qu'on est artiste et bien d'une c'est un wali liri et marcin c'est un wali liri et marcin on nous campé c'est bien qui artiste il m'a aimé mais le wali d'être et qu'on est normal. Donc, il y a des journalistes qui ont été en train de se faire. Il y a des gens qui ont été en train de se faire. Il y a des gens qui ont été en train de se faire. Parce que avant, c'était Lady Lagine. Lady Lagine a la source pour le manique de la guerre. Lagine a passé pour rouge en vert marne. Car il y a des gens qui ont été en train de se faire. Il y a des camarades qui ont été en train de Je suis venu à la caméra de Jaro Hiro, je suis venu à la question de Kondo Yirdan. Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. Voilà, c'est un honneur et un plaisir. Je me nomme Yal Alfred Ansori, je suis consultant formateur, donc le responsable d'université. Je suis également vice-président de la FIGDEX, donc l'association des Guinéens pour le développement, la solidarité et la sécurité. Voilà. De l'UFDG Dakar. Voilà, voir les artistes guinéens, c'est un plaisir. Je vois Moustou que je suis sur Facebook, n'est-ce pas? Je sais tout ce que tu es en train de faire. Et mon cher ami de
et de voilà Pierre Mamadou de l'abbé, hein, voilà Mouth Paraya que je connais, et ceux-là également que je vais connaître aujourd'hui. Donc c'est pour dire également mon ami de l'autre côté, voilà, il dit qu'il est aussi très actif dans la culture guinéenne. Bon, moi pratiquement j'ai pas de question, c'est de saluer l'événement. Lorsque je suis venu, je vous ai vu en point de presse, j'ai directement attaqué ma sœur. Je lui ai dit, mais attention, comment tu peux organiser un point de presse et que moi je ne suis pas informé, n'est-ce pas? La FIGUDEX n'est pas informée. On vient de faire un point de presse il n'y a pas longtemps pour le cas de Mamadou Barry. Et nous sommes en train de planifier une marche blanche. Donc partout il y a la communauté guinéenne, nous on est présents, il faut qu'on nous appelle. On devrait remplir cette salle, n'est-ce pas? Voilà. Donc Mousto, vous êtes les bienvenus ici. En tout cas, nous sommes avec vous. Parce que quand on est à l'étranger, la meilleure façon de vivre avec ceux qui sont au pays, c'est la culture. Nous passons tout le temps à écouter les chansons que vous sortez à Conakry sur YouTube. Nous les enregistrons. Nous les avons ici tout le temps. C'est parce qu'on ne veut pas nous détacher de la culture guinéenne. C'est vous qui nous faites vivre ici. C'est en vous voyant, mais là on dit voilà. Et on est à Dakar, mais on est toujours en Guinée, n'est-ce pas, à travers la musique. Je connais plein d'autres artistes, en tout cas moi, qui me font vivre, hein, que j'apprécie beaucoup. Peut-être, je ne vais pas dire leur nom, le petit de l'abbé qu'on appelle Tati Tati, n'est-ce pas? Voilà, il y a aussi l'autre, comment il s'appelle, la Saïfon Baldé, n'est-ce pas? Que j'aime bien, je les écoute hein, depuis Dakar, et Mousto que j'écoute également. Et toi, il n'y a pas longtemps, j'ai même téléchargé une de tes chansons. Voilà. Donc, encore une fois, soyez les bienvenus ici. Je vais vous poser une question maintenant. Voilà, donc, qu'est-ce que vous êtes en train de préparer dans les coulisses actuellement? Je parle de Mousto. Qu'est-ce que tu es en train de préparer dans les coulisses, là? Voilà, voilà. Et ensuite, je veux bien que tu me fasses un acapella de ta chanson, Voilà, donc, merci beaucoup. Merci. Merci. Et là, présentement, là, je suis dans les préparatifs pour la sortie de mon troisième album. Et je viens, il y a à peu près une semaine que je viens de signer un contrat avec un label qui réside à Paris. Donc voilà, avec ce label, on est en train de mettre les choses en place pour la sortie de mon troisième album avant ma tournée américaine. Voilà. À ce qui concerne la chanson de Larari, en fait, c'est une chanson que j'aime bien aussi. J'aime bien. Donc, si vous me demandez de faire acapella, bah, je pense que. Allez, vas-y. Est-ce que tu as un peu de sucre pour ça? Il n'a pas mangé encore. En fait, quand je commence à chanter Larari, même moi, j'ai la chair de poule. Parce que la musique, c'est à travers la nature qu'on s'inspire. Et si tu t'inspires à travers la nature, il faut juste remarquer le moment où tu mets en place la chanson. Regardez, hein, vous vous imaginez, plus de 50 de mots pour réunir afin de trouver juste une chanson. Ce n'est pas évident. Et moi, je sais, au moment dont j'ai mis en place la chanson de Larari, je sais de la période où j'étais. Je sais bien ce que j'ai traversé en ce moment. Donc, c'est pourquoi à chaque fois que je chante de Larari, je me rappelle beaucoup de choses. Avant qu'elle ait mis la femme. Mon bébé, mon amour, mi amor, ahi mi riu. Merci. Merci, mon bébé. C'est bon. Maintenant, la presse. Voilà, que t'as arrivé la main. Bon, moi, ma question aujourd'hui, c'est que. Ça concerne la distribution. La distribution, les artistes, j'ai l'impression qu'ils se font avoir parfois. Parce que il y a des affaires de copyright. Vous comprenez? Moi, je ne comprends pas le milieu des copywriters là. Parce que il y a des artistes que tu informes que leur chanson a une copyright. Et en fait, ils ne sont même pas au courant. Comment ça se passe derrière? C'est ça ma question. Voilà. Voilà. C'est important. La question pour les artistes. C'est une très bonne question. Et à ce qui concerne la distribution, parce que moi, le label avec lequel je viens de signer,
est appelé Joy Music, réside à Paris. Et moi, bien, après la sortie de mon deuxième album, c'est ce label-là qui distribuait. Bien avant ça, j'avais fait des vidéos à Paris qui ont fait 2 millions, 3 millions de vues. Normalement, tu fais 1 million de vues, tu dois avoir en tout cas une certaine somme d'argent. Tu as les conditions normales. Ben écoute, je me suis dit, moi personnellement, ben, pourquoi faire des millions de vues sur des autres chaînes tandis que mes tubes ne sont pas vendus. Donc j'ai essayé de retirer mes trucs sans dire à la personne, voilà, toi n'utilise plus mes chansons. Juste j'ai essayé de mettre en tout cas un système en place afin de signer ben, avec un label qui peut distribuer mes chansons, en plus gagner, en tout cas gagner quelque chose au retour. Donc c'est pourquoi. Si tu sais bien que tes chansons sont distribuées avec une plateforme en tout cas reconnue et puis professionnelle, actuellement tu auras quelque chose de retour. Sinon, ce label était là juste pour distribuer mes chansons. Mais vu, eux ils savent déjà que, voilà, excusez-moi, je ne me lance pas des fleurs, ils savent déjà de quoi je suis capable. Ils ont quitté le plan de distribution jusqu'à venir le plan de la production. C'est avec le même label. Hein. J'ai signé pour la distribution, mais je suis pour la communication. L'argent de la communication vient à part et l'argent de la distribution vient à part. Ça dépendra de nous les artistes. Il faut savoir ce que tu veux. C'est tout. Merci. 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 Ok. Il parle toujours. Non, non, il va répondre à la question. D'abord, non, mais il parle. Voilà. Donc, je n'ai pas bien formulé la dernière fois parce que je parlais précisément des débutants. Des débutants. Parfois, quand il y a des gens qui me donnent leur musique, qu'ils ont chanté eux-mêmes, que quand je fais ça dans ma chaîne, ils me disent qu'il y a un copyright. Alors que si je demande l'artiste lui-même, il ne sait même pas ce qui se passe derrière. C'est pour ça que j'ai posé cette question. Voilà, qu'est-ce que tu as ? Ouais. Vas-y. Ça dépendra des réseaux sociaux. Mais écoutez, mon grand frère, il est mieux placé par rapport à ça parce que lui, il est déjà dans le truc. Il connaît tout. Viens, il dit viens. Tu vas répondre à ça. Viens, ok. Tu as bien fait de préciser par rapport aux artistes. Parce que aux artistes en herbe. Mais à la base, j'ai vu comment il s'appelle ce jour. Paris. Qui est en train de parler de son manager, qui est en train de parler de son manager, parce que lui il est en train de faire un travail pour lui, qui fait en sorte qu'aujourd'hui vous l'avez au grand théâtre. Ça dépend de la structure qui t'accompagne. Si tu viens donner, tu vas au studio, tu payes de l'argent, tu enregistres un morceau, tu donnes ça à quelqu'un gratuitement, et la personne, elle gagne de l'argent sans que toi tu te rendes compte, c'est comme si tu fais un marché. Tu mets des bombes à vendre, tu donnes ça à quelqu'un et tu lui demandes pas d'argent. Lui, il vend, mais toi, tu n'as pas d'argent. Et tu viens chaque fois que tu passes, tu lui donnes des sacs. Donc, il faut que les gens soient structurés, il faut qu'ils soient professionnels. Parce que quand tu n'es pas professionnel, tu ne peux pas le savoir. Ça arrive à beaucoup d'artistes guinéens. Il a fallu que nous, on se lève pour crier, pour que Mami Kaka, certaines autres personnes arrêtent de publier des chansons des artistes et qui ont poussé. Les autres artistes aujourd'hui à faire comme ce que Mousto fait, à signer la distribution à part, la production à part et la communication à part. Et tu as un pourcentage sur chaque partie. Mais il faut d'abord se former, que ton manager soit formé. Le titre, tu as un producteur qui sache c'est quoi ton rôle et qu'est-ce que toi tu gagnes. C'est hyper important pour les jeunes artistes comme Josa, c'est nous qui venez commencer. Si vous signez, signez de vrais contrats professionnels et suivez, sinon vous allez travailler pour les gens, vous n'aurez rien du tout. Bonne chance à vous, Kéo. Bonsoir, je salue Moussa Kamara avec votre représentant ici. Je me présente, je suis Sirario, président de Région Sans Frontières, nous sommes membres de la CDAO. On est là aussi pour valoriser la culture. Donc j'ai plein de questions, mais je vais raccourcir parce qu'on est là pour aider les artistes. Donc, Moussa Kamara, il a pris un accès très important parce qu'il a parlé du domaine de la technologie. Il faut que tout le monde s'implique dans la technologie. Bon, la majorité ne maîtrise pas tout ça. Donc, ça d'abord. Moi, c'est ma première question, les featuring.
Parce qu'aujourd'hui, la culture guinéenne, nous, on la valorise, mais elle n'est pas connue mondialement. Mondialement, ça veut dire quoi? Parce qu'il y a des festivals internationaux dont je suis membre, je participe, de toute la région ici, mais ça me fait mal de m'asseoir avec un seul Guinéen, et je vois aucun Guinéen dans la salle. Ça, ça me fait beaucoup mal. Donc, eux, ils valorisent la culture, c'est aussi important. Mais ce que moi, je peux dire, c'est qu'ils n'ont pas essayé de s'associer pour qu'ils vont voir leurs erreurs. Essayez de voir les erreurs. Après, nous, on veut que vous participiez à des festivals internationaux. Enfin, chaque année, chaque 2 ans, on les organise dans toute la sous-région, mais malheureusement, il n'y a aucune Guinée. Donc, voilà, le président, Abdella, qui est là. Donc, la parole va venir à lui pour qu'il essaie vraiment de mieux parler dedans. Donc, je ne veux pas être trop long. Voilà, Siraj, merci beaucoup. Et Dandy Hande, pour que tu aies un peu de temps, tu as un peu de temps. Tu as un peu de temps. Comme nous, il y a des gens qui ont été en train de faire des choses, nous sommes tous en train de faire des choses. Nous sommes tous en train de faire des choses. Nous c'est pour cela na ne sai mengi ni meda wetani kombe do honno kuma tanirabe ko passé meda reni artiste e fon encadre donc hande sirajo menen kondu me wawani par exemple artiste ko ci wadi ka mo meda mari fon me ya me yewde mabbe pour yo labane o mi ha mi tay mo kona kir mi tay mo ka hotel mi ngi jibi. Mais joli, on a tout discuté, on a bien parlé. Mais nous avons un ordre ouvert à la famille. Donc, on a dit que si Allah l'a dit, il y a des gens qui ont été en train de se faire. Mais il y a des gens qui ont été en train de se faire. Il y a des gens qui ont été en train de se sur le plan international, voilà mondialement. Il y a des droits de kalaka yusi duru dari kalaka ba mali dari wali se ko debi tanjo kono ile koni partout kon dum wadi dum ko passé ko tambitede problème mo ene gar guiné e mi andas ko artiste be jabata tambitede e stay ko kambi woni jabata tambitade artiste a famo de passé ja tambitade artiste dum o respecti ko tambitida mo ko o yahay fami donc ara yo be respect dum donc kambe gadi men ene kay be respecta e vraiment et qu'on doit avoir des bons. Alors, Inch'Allah, maintenant qu'on me voit, qu'on me voit. Merci. Voilà, il faut qu'on dise la vérité aux artistes. Ils ne sont pas structurés. C'est tout. C'est donc, ça dit, aujourd'hui, la majorité, c'est calme, c'est la majorité. Si voilà, aujourd'hui, okay. Non, je comprends bien. Oui, certes, d'accord, certes. Non, parce que vous, déjà, lui, il doit monter une structure. Aujourd'hui, il est évident, je vous montre une structure, tant là, qui encadre les artistes. Mais aujourd'hui, la majorité des artistes qui viennent, ils ne sont pas structurés. Il y a eu un artiste qui est venu ici. L'Alliance Kiyama a fait 800 000 francs CFA de promotion. Le conseil en a vendu 150 000 francs CFA. Je m'arrête là. Ça arrive. Non, je suis d'accord. Maintenant, si aujourd'hui, c'était petit avec la ville de Mousto Kamara, ils savent comment partir avec le promoteur pour gérer le problème. Mais l'artiste ne va jamais comprendre ça ni autrement. Ça, c'est clair. Donc, c'est ce que je voulais dire. Aujourd'hui, les artistes souffrent, mais aussi les promoteurs souffrent. Parce qu'aujourd'hui, et si vous travaillez, comme on se l'a dit, vous cherchez, vous mettez des mélodies, vous avancez pour que ça plaise au Guinéen, c'est pas facile. Et à la découverte, pour que la journaliste soit le moment de caméra et du coup de parole de faute. Alpha et Brahma Paris, et Bella Julie, et Paris, pour que les gens. Mais nous, on dit que pour ça, il y a un petit peu full belle, si bien même c'est là. Parce que elle est une fonky, culture qui n'est pas ce qui n'est pas là. Parce que elle est une autre divine de Sénégal. Je suis un artiste.
On dira en fait la question, c'est très important. Puis ça n'a ni goût de déplacement. On a vu avion à Dakar. On iri do, goût de go profiter donc. Nous disons do, fi on dit on s'y arrive. Il n'y a pas mon abba ou la tamba ma jaw, qu'on chipping le remonte. Ça fait pas non na valeur. Si mon fala ma yo ya ni awa ko be ay tomato moi min ko du woni bi mi yal bi telen 2015 16 17 mi jabali ande kadi avant je le faisais mais bi no wadi mi ni non je viens je joue mes concerts. Si je gagne mes routes, ça fait la langue. Ayana est la canicone. Voilà, mais artiste Begono, il connaît. Et à la World End, ma BBC, c'est là où on a eu. Merci. Et gagne à tout, il y a profita, il y a corrigion qui, il y a d'autres, il y a nata et duma, et tu es walo et gâte. Haran Arnons, c'est des artistes considérés. C'est des artistes considérés. Voilà, ça même moi ça me touche. Aïe, ben Dakar jugo. Har na Dakar bari. Har ko raison yi be ya tongi jugol bi 500. Har ko ho howa. Non, c'est dégoûtant. Voilà. Franchement, ko wol donc mais le tertium, nous avons aussi artistes qui ont des valeurs. Ils sont invités à un concert Goto. Ils ont aussi un nom immortel. Ils ont profité de nous. Ils ont attendu un groupe de salut de l'intérêt. Voilà. Mais on doit voir ça. Voilà. Merci. Artistes de développement, moi, je suis en train de développer. Mais il ne peut pas accompagner un artiste. Artistes de l'équipe, il manque de compétences. Il a un grand nom. Dans 2-3 ans, pour avoir 3 ans, écoutez, il y a une conscience et seulement par la compétence accompagnée du gouvernement. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, je déplore beaucoup d'artistes guinéens que je connaissais dans les années 90-95, que je réécoute aujourd'hui, ça indique que compétence, moi, je dis, en état, ces gens-là sont devenus du pouce. Et il y avait qu'on a créé au Bénama, oui, mais c'est extrêmement grave. Tu as un artiste de moi, mais on va le faire. Tu as un artiste qui était avec cet artiste-là. Quand on y vit, il s'est allé Chicago. Mais l'artiste artiste, je veux dire, mais que ça veut dire, on doit hors structuration artiste, mais les structures qui gèrent les artistes à Conakry, en Guinée, ils me doivent organiser. Ce qui dit mon frère, bon. Qui aide nous aide, mais surtout en Guinée, c'est pas facile. Il faut qu'on se dise la vérité. La plupart des managers en Guinée sont des mangeurs. Ouais, c'est la vérité. La plupart. Voilà. Mais bon, on tient le coup. On tient le coup et je sais, ça va aller avec le temps. Voilà, c'est ici. Il faut que le repos s'avale. La Guinée, on a dit ça va aller jusqu'ici. Oui. Il faut le faire maintenant. Voilà. Il faut le faire. Il faut agir maintenant. Voilà. Ça
Non, je sais pourquoi j'ai dit ça ne peut pas aller. Ah. Ça peut pas aller. Voilà. Moi, je sais que ça ne peut pas aller. Et puis, on continue sur ça, ça ne peut pas aller. Ce que Kenan vient de dire. Le problème, c'est quoi chez nous? Et mon frère vient de dire de respecter les managers. Je n'en dis qu'on vient pas. Il faut que les managers respectent les artistes et les artistes aussi respectent les managers. Mais la plupart des managers de la Guinée, si Kern a dit que ce sont des bouffeurs, moi je dirais que ce sont des profiteurs. Ben oui, il faut qu'on se dise la vérité. Aujourd'hui, pourquoi il y a ces artistes qui ne voulaient pas avec les managers? Parce que les managers ne savent pas ce qu'ils doivent faire pour leurs artistes. Un artiste préfère évoluer aujourd'hui en solo que de travailler avec un manager. C'est quoi le rôle d'un manager? C'est quoi le rôle d'un artiste? L'artiste, son boulot, c'est aller au studio, venir reposer sa tête. Les concerts, des contrats, ça concerne que les managers. Chez nous, c'est les artistes qui cherchent des contrats. C'est les artistes qui gèrent tout. Et le peu que tu gagnes, le manager veut que tu partages ça avec lui encore. Ça peut aller. Ouais. Ça peut pas aller. Voilà. Ça peut pas. Bonsoir, voilà. Ça peut pas aller. Ça veut dire que la conférence de presse est comme nous les managers. C'est la vérité. Les artistes aussi. Mais maintenant, ça nous travaille à avancer le programme à ce sens. Je vous disais, après ça, les deux artistes, Yossa et Yubi, ils vont aller à l'extérieur et Bella au bureau du désir. Et il y a Léa qui vient de rappeler, Léa Kanyarabe, vous savez, elle est à Guinée, elle est à Guinée, elle est fatiguée. Donc, c'est pourquoi, c'est le cause. Comme lui, c'est un bandit. Donc, je vous présente Léa Kanyarabe. Actuellement, elle voulait quitter comme ça. Aussi, avec. Merci beaucoup. Merci Léa. Merci. Ok. Tu salues en clôture au faire des sens. Salut, je vais faire la question de vous. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Salam, salam alaikum. Yannou. C'est toi de parler. Photo mena tumefi. Na kama mo fulo wina mo anusu sori. Self camera de jari di mana kunyi. Esu jari apa ni mana kunyi? Emak fala mana kunyi mutuma. Esu jari pasir. Ati di aku. Nana jari mana kunyi lah. Kamera. Mara ego. Mara nyaman bintang ego. Tujuh mara enggak bintang ego ego. Tapi se. Atau nanti di sambil ego kamera. Manusia nak berukur. Manusia kira. Musuh kamera kami rafira. Musuh kamera ini mana lagi? Kamera ini mana nak? Tak, anggal kiri nana. Musuh kami, bukan musuh kami nak terus. Mana dia filmaga? Anu biji, anu biji lah anda mukti. Tadi film amar. Ya tu dia faham nama. Apa dia rafira? Musuh beliau. Apa dia nak ada cakap apa? Parce que quand on a un effet, c'est que la vie est en train. Maintenant, on voit la vérité, on voit la vérité, on voit la vérité, on voit la vérité, on voit la vérité. On a la vérité, il y a une vérité. Alors, on a la vérité, il y a une vérité, on a la vérité. Allah, on a la vérité, on a la vérité. Amen. Allah, on a la vérité, on a la vérité. Allah, on a la vérité, on a la vérité. Parce que là, on a un mousse, mousse, grâce à sa maman. Mourir dans la nature. Alam mana, awal lagi filem apa? Jujur, anda memang ramai jenama ibu, anda semua. Bicara. Lailah. Okay, Barry, Barry, s'il vous plaît. Donc, photo de famille Sigasi, Kalafa la loi de visite au grand théâtre, Arenwa ya ou la cité salon. Dara, nous parlons de la place du Joël, bien qu'il n'y ait pas disponible.
Kala fala le billet, yo arena disponible. Merci beaucoup. Si tu as aimé la vidéo, like, partage et abonne-toi si ce n'est déjà fait. On vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo.